Ah, je sais de quoi j'ai envie. Voilà. T'as envie de quoi encore? Du tofu. Du tofu fermenté. Maman adore le tofu. Ouais, mais pas trop fermenté. Ah bon. D'après, j'avais faim, mais les odeurs. Mon conjoint, il a pris 10 ans pour accepter le stinky tofu. Là, j'ai envie de poulet, de tofu, et j'ai faim là. Salut, Tadja Rao, je suis Weihong. Et où est-ce que je suis? Je suis rentré en France. J'imagine oui. que ça te fait plaisir. Bah, bien sûr. Bien sûr. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ou pas du tout? On va manger au restaurant taïwanais. On va chercher que des adresses taïwanaises. Pendant une journée à Paris, on fait que des adresses taïwanaises. Voilà. Alors, moi, il y a un plat que j'adore. Est-ce qu'il y a une chance pour que je le trouve aujourd'hui? C'est ton poulet trois tailles, c'est ça? C'est mon poulet trois tailles. J'espère que je vais pouvoir t'en trouver un. On a trois adresses. Sarah va nous rejoindre dans le marais pour aller à la première. Ok, avec le chien. Génial. Et honnêtement, j'ai très hâte de cette journée parce que ça me fait trop plaisir. La famille est là, on se retrouve et on peut quand même aller manger fusion food de Taïwan et de la France parce que je pense que ça va être très intéressant. Ah, je sais de quoi j'ai envie. Voilà. Aussi. T'as envie de quoi encore? Du tofu. Du tofu fermenté. Maman adore le tofu. Ça, c'est pas trop fermenté. Ah bon. Maman, combien j'ai d'abonnés en ce moment sur YouTube? J'aimerais bien qu'on dépasse les 200 000. Voilà. Elle le veut plus que moi encore. Vous vous rendez pas compte à quel point les gens vous aiment, vous deux. Mais nous aussi, on aime les Taïwanais. Mais nous aussi, on aime les Taïwanais. Je vous jure, tout le monde me dit, papa, il est trop mignon. Est-ce que vous voulez que papa et maman reviennent à Taïwan? Ils adorent quand vous êtes là, vraiment. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans notre trajet, je vous présente le Samsung Galaxy S Flip 5. Yeah! Il se plie. Oh. Il y a quelques minutes, nous sommes déjà prêts à l'intérieur. Canon. Regarde la couleur. C'est joli. Ça va avec nos yeux. Donc, c'est très stylé. Ce que je dois préciser, c'est que nous n'avons pas besoin de le déplier. On va pouvoir le mettre directement ici, en mode 0 degré, sans ouvrir. Super. Comme ça. Démarrer. Prendre la direction. Yeah. Sur une journée vers le château bagage. Bravo! Faites très attention quand vous venez voir les Jeux Olympiques. Vous rangez vos téléphones, vos porte-monnaies, rien dans les poches. Vous ne laissez rien dépasser, d'accord. Séance photo au pont Birakai. J'appuie sur ça. Et on voit dehors. Et maintenant, tu te vois. Vous pouvez vous voir aussi pendant la vidéo en photo. C'est pas mal. On voit de tous les côtés. Formidable. On va manger, on va retrouver Sarah. Allez. Génial, Sarah nous attend, on n'est pas en avance, mais j'ai une question. On va d'abord dans le marais, on va chercher des wheel cakes. Yeah. On est dans un quartier qu'on aime beaucoup. J'adore le marais. C'est typique le vieux Paris. C'est mon enfance, mes parents avaient leur magasin à côté, j'habitais pas très loin. Et qui je vois? Avec le chien, la préférée de ma chaîne. Bonjour. Je peux pas souvent manger parce que je suis végétarienne, mais là je suis très contente de pouvoir manger quelque chose que je peux à Paris en bonne santé. On n'a pas Ilana qui est pas à Paris, mais au moins on a chien. Voilà, Ilana est en Israël, c'est pas grave, ok. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Chao Hu. Je suis la gérante Chao Wei. Nous, on est spécialisé dans le wheel cake, c'est un street food taïwanais. C'est comme le Madeleine de Proust pour nous. C'est comme le pain au chocolat pour les Français. En fait, ça fait plus que 10 ans que je suis arrivée en France. Le français, incroyable. Vous parlez très bien, bravo. Très gentil. Quand je suis retournée à Taïwan, je ne me sentais pas comme une taïwanaise, mais quand je suis ici, je ne me sentais pas comme une française non plus. Moi aussi. Du coup, j'ai envie de créer un univers, c'est pour moi, mais pour aussi des Taïwanais qui vivent ici en France. À Paris et aussi pour faire connaître les Français, notre culture, un petit peu de souvenirs d'enfance de Taïwan. Vous avez un prénom français? Je sais pas ce que je veux dire. Alors, je la hante. Non, je vraiment la hante. Vous allez adorer, j'espère. Ok, bah on vous dit ça dans l'instant. Donc, vous avez ouvert ce magasin depuis combien de temps? Un an et demi. Parce que je veux que les Parisiens connaissent notre Taïwan. Taïwan et le Japon de Bản本 ne sont pas différents. En fait, le Japon, la plupart du temps, c'est juste le Made in Taïwan. Taïwan de Zizao est plus important. C'est une machine, beaucoup de machines. 传统是就红豆跟卡士达或者是红豆抹茶，可是因为台湾我们蛮喜欢街头小吃，然后会有创造新很多新的东西，就是会有新的口味出来。OK，我懂。那你们最受欢迎的是哪一个？黑芝麻。有吗？超爱黑芝麻。我要做法国人的市场，所以我当然要推出一些法国人的口味。我每天都在这里做工，但我就是常逛，我永远都走不掉。你感觉很厉害哦。会盖上一些印章，然后这样子我才有办法辨认说什么口味是什么。谢谢小薇。 J'adore, il fait beau. T'es à Paris avec nous dans un quartier qui est un de mes quartiers préférés. Ils sont adorables. Je lui ai dit choisissez pour moi, je suis sûre que vous allez très bien choisir. Je les ai trouvés charmants. On a l'impression d'être à Taipei. Ça se voit que le personnel connaît à la perfection leurs produits. C'est pas des amateurs, en plus elles s'expriment dans un français. Pardon. Waouh. Oh là là, j'adore. Poulet rôti et fromage, Nutella banane, taro, azuki matcha, sésame noir et végétarien. Je vous ai ajouté un sésame noir, il faut que vous goûtez. Ah oui. C'est oui. Ici. Génial. Très bien. Merci. 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 Merci.
快点吃小心烫，我来拍一个限动，问台湾粉丝，水润丁有没有看起来非常的像我们在台湾可以买的东西？啊，Philippe。 On commence par le truc au Nutella banane. Ça, c'est français. Hein. Ouais, ouais, tu le goûtes en 4. J'adore parce que ça me rappelle. Comment ça s'appelle ce que j'ai mangé à café? Moi, j'adore. C'est un gâteau à l'œuf. Gâteau à l'œuf, là. Ouais. La pâte est souple, c'est très bon. Combien tu mets? 8 sur 10. Tchétchil. 9 sur 10. 11 sur 10, j'adore. Là, on adore parce que, là, du fait que la pâte soit très bonne, c'est Nutella et banane. Donc, c'est vraiment un truc qu'on a l'habitude de faire dans les pâtes et les gaufres. Facile d'aimer. Maintenant, le vrai challenge, c'est de goûter ceux avec les saveurs asiatiques. T'aimes pas trop le tarot à la base, Marie? Je suis pas sûre d'aimer, Nathan. J'aime pas tellement le tarot, mais j'adore la pâte. Toi, t'adores le tarot, toi, non? Oui, ça rappelle la crème de marron. C'est bon, c'est assez neutre. Il y a écrit « Made in Taiwan », c'est super chill. Il y a un petit goût fumé, donc 12 sur 10. On dirait du caviar en France. Ouais, ça va. Ça sent bien le sésame, c'est sucré, c'est croustillant, c'est délicieux. Je trouve pas ça effleurant pour autant, je trouve que c'est bien dosé. 15 sur 10. Ah ouais, 9 sur 10. Il nous reste les salés. Alors, en fait, ça ressemble au toast salé que je mange à Taïwan le matin. Alors moi, je trouve ça bon celui-là, le végétarien, mais on dirait un truc mexicain, on dirait un burrito. Le dernier, ça c'est le poulet mariné à la béchamel fait maison. Ah mais ça c'est le qui fait la béchamel. On dirait le Zidane Gao qu'on a mangé à Taïwan, j'aime bien. Celui-là, je me dis, c'est mon préféré. Merci, ciao, ouais. Merci, vous êtes là. Ils vont revenir ici. Ils vont revenir. Ils sont heureux. Bon, les Parisiens ne sont pas si méchants avec vous, finalement. Sincèrement, les gens sont super gentils ici et les gens ils ont vraiment de patience et ils sont très curieux de connaître ce qu'on a. Donc, du coup, vous êtes dans le bon quartier pour ça, je pense. Oui, je pense. Après notre discussion, ils ont beaucoup envie d'aller à Taïwan, donc du coup, ça nous fait très plaisir. Ah, ouais. C'est très bien. Oui, c'est ça. Je suis contente. Comme moi. Et après, j'avais faim, mais les odeurs... Mon copain, il a pris 10 ans pour accepter le stinky tofu. J'ai appris plein de choses et aussi qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé. Rando Kouyuen, c'est vrai. C'est une belle aventure. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de chance dans tous vos projets. Vous êtes jeune pour la suite. On viendra vous voir. Merci. Maman, il y a quelqu'un qui a dit que tu étais très belle, qui a répondu à ma story. Et ensuite, ils ont dit que les wheel cakes, ils avaient l'air très bons. S'il pleut et que tu mouilles ton téléphone, c'est un peu dommage. Il est waterproof, maman. Et en plus, j'ai accès à la météo directement. Il fait 18 degrés, donc il ne va pas pleuvoir. Samsung Galaxy S Flip 5. Allez, go. Il est tout petit, il se met partout. Il rentre partout, dans le sac, partout. Voilà, c'est nickel. Hello, bienvenue. Je suis arrivé au 37 mètres carrés où j'ai rencontré une chef cuisinière. Une chef cuisinière adorable qui était très excitée. Ni hao, yo kango wo ma. Yo, fei zha, wo zhi de fan shi. Elle a dit qu'elle avait vu toute notre vidéo. Oui, très bien. Alors ici, c'est le 37 mètres carrés à Opéra. Voilà. Ici, il y a quelques de Taïwanais. On est vraiment spécialité pour les fruits. Ça fait 10 années. Je suis un des plus connus en vrai, hein. Mais moi, oui. Je ne l'avais jamais fait. Si, on a pris. Toi, t'es qui alors, toi? Moi, je suis son fils. Un gosse sur la gueule. C'est mon gosse qui sort de nulle part. T'es le fils de... C'est Jojo. Philippe. Blanc avec tapioca et thé vert. Là, j'ai envie de poulet, tofu et j'ai faim là. Franchement, j'adore. Là, vous avez des dents, poulet avec végétarien, tofu et champignons parfumés. C'est très appétissant. Ça, je pense, c'est de la patate douce, du riz, le poulet frit. Il est déjà assaisonné et. Il est gros celui-là, j'ai plein de gros goût. C'est pas grave, mange. J'adore. Mmh. Ah, y a plein d'épices. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est très très bon. Mmh. Il est beaucoup plus cher que ce qu'on mange à Taïwan, donc c'est des produits meilleurs. Donc en fait, je trouve ça meilleur que ce que je mange au night market de Taïwan. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas tous les os dedans, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont mis, mais qu'est-ce que c'est bon. Tofu, là. Mmh. Délicieux. Les légumes sont très bien assaisonnés, c'est super bon. Ah, là, qu'est-ce que c'est bon. Tout est bon. Celui-là, c'est mijoté de bœuf. Mijoté de bœuf. Et ça, c'est frit calamar. Avec poids de sel. Bon demain. Les légumes sont très bien cuisinés. C'est bon. Salé comme il faut. C'est bien assez. J'adore. C'est un peu le bœuf bourguignon de Taïwan, ça. C'est oui, avec de la carotte. Un petit peu piquant, mais juste très légèrement. Bien sûr, c'est bon. Il y a de la cannelle. Elle est moelleuse, elle est onctueuse. Je trouve que c'est une viande de bonne qualité. Tu le sens. Très agréable à manger. Ça, moi, j'adore ces trucs-là. C'est sûr que. Il doit avoir le même goût que le poulet, non? C'est bon. Ça me rappelle les épices du poulet. Ouais. Je crois qu'il y a la même chose dessus. Oui, c'est ça, c'est pas vrai. C'est très bon. Bon, déjà, c'est vraiment très bon. C'est un peu plus cher que ce que vous mangez à Taïwan, mais ça vaut largement. 接下来，老板有请我们吃糖醋鸡，还有梅子粉版本。 总之来我们是超对的 来巴黎千万不要错过了 37 mètres carrés 再一次有种感谢老板的邀请。 哎喂，你先来。 爸。
notre troisième étape de la journée. Et voilà. Bonjour Christophe. Bonjour, c'est bienvenue. Kiami. Alors racontez-nous un peu votre histoire. Comment vous êtes arrivé ici? Qui êtes-vous? 2018, on essayait de ramener ce qu'on peut avoir à Taïwan. Parce que vous avez senti que les gens s'intéressaient de plus en plus, c'est ça? Voilà, sur Roboti. Oui, la Taventure, en fait, c'est un monument historique protégé. Ah, on va la toucher. Et c'est magnifique. Et puis, ça nous correspond aussi. Pour venir en France, en fait, c'était pour mes études. Après les études, je deviens l'architecte. Et au bout d'un moment, ma femme a découvert cette idée d'avoir un commerce comme ça. L'idée, c'est de produire la même qualité de bubble tea comme à Taïwan. La deuxième partie, c'est qu'on a élaboré ce thé avec une crème fouettée et on a profité la crème en France. Et après, on a proposé aussi les thés aux fruits. On a utilisé les vrais fruits. Si vous arrivez à me faire aimer les thés aux fruits, c'est réussi parce que j'aime pas trop ça. On va regarder tout à l'heure le menu. Voilà. C'est une maman de amie de ma fille. Elle est japonaise. Elle connaît les pâtisseries japonaises. Elle connaît les goûts des Français. Du coup, on se dit, bah pourquoi pas? Ici, on peut faire ça. Plus asiatique, européenne. Ça va très bien. Allez, bienvenue. Il m'a fait peur. Je suis en train de faire une vidéo avec mon Samsung Galaxy S Flip 5 et regardez la qualité. Et pour les photos, il y a quand même des styles, c'est un mode nourriture. On mange. On est dans un endroit qui n'est pas très éclairé. J'ai quand même une super qualité à l'intérieur et je pourrais régler la luminosité. Celui-là, c'est une saveur taïwanaise. Je n'ai jamais vu un truc à ce goût-là. C'est très original, je trouve. Je vais te dire à quoi c'est. Du pavot. Non, tu vas jamais deviner. Du taro. Non, thé au lait taïwanais et gingembre. Voilà, oui, c'est du thé. Bah, c'est très bon. Je mets une très très bonne note. J'ai adoré le gâteau au chocolat et au matcha. Parce que, attention, ici, les bubble tea au fruit, c'est leur spécialité. C'est les recommandations du personnel. C'est super bon, c'est délicieux. C'est frais, c'est pas trop acidulé, c'est pas trop sucré. Si, je pense qu'on va aimer. Je pense que c'est pas ce qu'elle aime. Je trouve ça pas mal. 10 sur 10. 8. Soin du, tien du, ping pong bien, gang gang gang. C'est hyper rafraîchissant en vrai. Je pensais que ça avait moins le goût de la passion et tout. En vrai, c'est pas mal. Ça sent bien le goût du fruit. Merci Christophe de nous avoir reçus. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Moi, je pense qu'il y a vraiment une particularité de ces pâtisseries. Il ne faut pas avoir de complexe. Vous avez c'est votre spécificité. Notre boutique Tiami se trouve à la station Pyramide et Opéra. Merci. Bon, on est à Opéra. Alors, okay. Je trouve ça un petit peu dommage, moi. Moi aussi, j'aime pas. Nos amis taïwanais voient l'Opéra, qui est un monument magnifique, avec un trompe-l'œil. C'est comme une caverne qui creuse l'Opéra. Qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai eu l'impression d'être un peu à Taïwan. J'ai surtout rencontré des gens que j'ai trouvé intéressant. Très courageux. Pizza à Paris réussi. Moi j'adore, c'était franchement, super. Ça m'a fait plaisir. C'est presque les rencontres et les échanges avec eux qui me font le plus plaisir. J'ai adoré utiliser le Samsung Galaxy S Flip 5. Il vous permet de pouvoir également regarder la chaîne de Weihong où vous êtes. Quand on regarde YouTube, qu'on écoute de la musique et tout, honnêtement, le fait de ne pas avoir à le déplier tout le temps, je trouve ça hyper pratique. Honnêtement, l'écran est assez grand. On est conquis. Je suis très honoré que Samsung m'ait choisi pour cette vidéo. Je recommande parfaitement. 欢迎对 Galaxy S Flip 5 感兴趣的观众到影片的讯览看更多细节。 跟我一起加入全新成营Join the Flipside。 Rappelle aux gens de s'abonner si c'est pas encore fait. Okay, pour qu'on ait 200 000 abonnés sur cette chaîne. Ah oui. Et papa et maman, vous allez venir à Taïwan. Oui, on va revenir vous voir. Probablement bientôt. Chers amis. Donc commentez pour nous dire ce que vous voulez que papa et maman fassent en arrivant à Taïwan. On vous fait plein de bisous et on se dit à très vite. Bye bye. Bye bye.